Bonjour à toutes et à tous, c'est Cobra Guru, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans The Fall, deuxième partie. Alors, je suis toujours à la recherche des... indices. Ces affaires dissimulées, un lâche. Objet non différencié 4. Bon, je viens... C'est pas mal, je viens d'en passer un. Un de plus. Le sac de couchage, je l'ai déjà regardé. Bien sûr que j'ai fait déjà ça. Pourquoi vous l'affichez encore ? Alors pour le moment, le majordome, j'ai absolument rien à faire avec lui. C'est le plafond, on s'en fout du plafond. Je vous avoue que là, je bloque. Ça m'arrive souvent hein, dans ce jeu, mais enfin c'est quand même particulier quoi. Hein, Je n'ai pas besoin de motivation. Avoir besoin de ce poster est pitoyable. Bon, mais ça va. Voilà, on avance. Mais alors... costaud dur, hein. Ici, j'ai déjà fait. Je peux toujours pas toucher l'ordi. Ah, j'ai raté un truc alors.
truc déformé. J'avais pas vu celui-là avant. Vous voyez, il apparaît pas. Ah oui, non mais le... Il apparaît pas dans la perspective normale. J'ai tout passé en revue, moi. Qu'est-ce que c'est que ces trois objets qui me restent? Oui, j'ai déjà fait tout ça. Je tourne en rond là, hein. Qu'à un seul envoi par transmission, alors je vais droit au but. Le reste de l'équipage n'est qu'une bande de losers. Envoie-moi un colis surprise avec quelques-unes de mes affaires. Je voudrais d'autres posters à moi, surtout le We Can Be Heroes. Évite de le plier comme tu as fait avec mon singe. Enroule-le dans un tube et colle-y une étiquette cargaison précieuse. Envoie-moi aussi mes figures Raven. J'ai besoin d'amis pour me motiver dans ce taudis. Et puis interdiction qu'Eliott mette un pied dans ma chambre. Pitoyable. Bon, eh ben voilà. Donc Bob, on sait qu'on a des infos là-dessus. I. My comprehension of this perspective is insufficient to bring it here. D'accord. Donc on est vraiment à la ramasse avec le majordome. Mais ça me dit pas. Je ne suis pas bureau. Bob Davis est bureau. Bon, c'est pas mal. Il y a un truc avec Bob encore. Voilà. Bob le D entretient les trains. Je le méprise. Voilà. Ce train était bien mal entretenu. Logiquement, c'est ça. Et bien alors? Il m'en reste deux. Voilà. Effectivement. Je ne suis pas seul. Qu'est-ce que c'est qui est mal entretenu? Ah ben la fenêtre.
Il y a une fuite, voilà. Je n'ai pas de fuite. Bon, ça y est maintenant, on peut ? Ah bah oui, c'est ici que je... Bon. Alors là, j'y comprends pas. Objet non différencié, 0. Mais ça y est, j'ai terminé. Ah. Je suis 1. Ouais, on a gagné. Vous aviez dit que vous ne reviendriez pas. Ah, il se souvient. J'ai une alliée. Ah, merci. Je suis désolé que... Non, pertinent. Je vais arrêter ce train. Je ne serai pas réintégré. Je serai victorieux. Je vais... Je vais quoi? Je vais dominer le monde. Ça y est, ils sont tous à un tiers. Eh ben, dites-moi. Il est lui-même. Ouais, mais alors les... le majordome est toujours pas lui, hein. Donc on peut pointer là ou pas? Donc on doit avancer et on va repartir vers la baston. Baston, quand tu nous tiens. Une navette? Une sonde. Votre humaine recherche. Il n'est pas à moi. Et voilà. Ton collectif. Ils ne sont pas à moi. Excellent. Les dialogues sont vraiment bons. Vous avez vu ça? Bon, j'ai pris deux coups dans la tronche, mais enfin quand même, hein, oh. C'est que des verres, hein. Waouh. Un collectivisateur de comportement. Il inspecte les informations intégrées par les mains. Ils sont en train de traiter tes capacités de combat. L'intégration est quasiment terminée. Mes talents sont inégalables. Oh là là. Deux. Facile. Je crois pas. Il faut que j'arrête l'ordi là. Oui, ça je sais, je suis mauvais. Mais là c'était difficile. Ce n'était pas facile. Ah non, je prévaut toujours. Oui, 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 non mais d'accord. Ils sont conçus pour devenir ton égal. Ils sont intarissables. Ouais. Arrêtez le train avant qu'un atteigne la plateforme centrale des mains. Neutralisez le talent pour le combat des mains. Oui, il faut que je le fasse, ça, parce que... La baston devient difficile. Encore ? Ah. Un réceptacle vide. I will not enter that pod. You are not being objective. I do object.
Oui, bon. Vous êtes gentil, je fais comment? Oh zut! Pourquoi on peut pas le skipper lui tant qu'il n'est pas fonctionnel? Le pitoyable bouton inutile. Tu ne fais pas preuve d'objectivité. Oh là 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 là! Il est pénible. On l'aide, mais il est pénible. Moi, j'ai la sensation qu'il faut que je change encore une fois de perso, parce que vous le voyez. J'ai collecté toutes les données. Je pense vraiment qu'il faut que je retourne vers le majordome. Je n'ai besoin de personne. Serait-ce déjà l'heure? Bla bla bla. Bon alors, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté? Une fenêtre à la propriété adéquate. Donc vous avez vu, j'ai changé de perspective pour essayer de voir si j'ai des interactions possibles. Là ça va être difficile parce que la baraque est grande. Hein. Ah ! Des icônes d'une unité généalogique humaine. J'adore les voix, ils ont vraiment fait un boulot énorme. Bon, à première vue, tout ce qui est tableau, machin et tout n'apporte absolument rien. Là, je suis dans la perspective de 1. On voit les différences de couleur, c'est plus vert. Not this room. You disown your emotions. Tu renies tes émotions. Bon, donc je suppose qu'il faut que j'utilise la perspective de la compagne. Oui. Ma compréhension de cette perspective est insuffisante pour pouvoir l'utiliser ici. Ah. Oui. My comprehension. Bon alors là, ça devient complexe quand même. Hein. Alors, c'est des images. Oui, on sait ce que c'est. Des images, des tables.
Comment je fais pour avancer sa perspective à lui? Un est centré sur lui-même. La compagne, si elle peut pas m'aider, je fais comment? Pour là. Bon les amis, j'en arrête là pour aujourd'hui. Je sais que ça fait une série qui finalement est longue. Parce qu'on galère pas mal, on a pas mal de difficultés hein, à avancer dans les puzzles, dans les énigmes. Mais c'est ce qui fait aussi le charme du jeu. Sinon, ça, si c'était trop facile, je pense qu'on prendrait pas du plaisir. On a envie de réfléchir, on a envie d'analyser, de comprendre pourquoi tel objet et pas tel autre. Et c'est ce qui fait que, au final, c'est un très bon jeu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de The Fall, deuxième partie. Amusez-vous, jouez beaucoup, prenez soin de vous et portez-vous bien. Salut, bye bye.